Et du coup, c'est le dernier. Non, mais je suis obligé, j'ai envie de le faire là. Là, il y a eu trop de. Élection approche et nous avons eu l'occasion de participer au rallye de Tayrak, ouvert à tous ses partisans. Un événement de grande classe et de grande envergure. Proposant en boisson sans alcool, animation pour toute la famille. Bon, ça, on s'en fout. Non, mais j'étais obligé là, je peux pas m'arrêter là-dessus là. Notre pays a une chance inouïe de vous avoir. Et on croise les doigts pour vous avoir encore 10 ans de plus. Non, on va éviter. Hein. Ok, les sondages. Il se passe quoi là, du coup, au niveau des sondages? Putain, mais frère, il est encore à 59. Hein. Votez contre la violence, votez Tayrak! Putain, let's go, c'est parti. Hein. Ça marche, bonne douche. Ouais, 10 ans, ouais. Là on est parti pour 10 ans là. Là vous êtes prêts pour 10 ans de stream là? C'est le plus gros marathon ever qu'on ait jamais vu sur Twitch. Remember, if you have any information, please call the Sonia hotline. Chiba. Vas-y, on prend ça. Ok, bah du coup c'est le prêt. C'est la dernière. Non mais en gros c'est en gros t'as 54% d'abstention. Donc t'as 46% de votants. Et sur ces 46%, t'as 60 sur l'autre et 40 sur l'autre quoi. On fera... Genre vous avez pas pris vos stocks de pâtes là. Oh. Genre là vous êtes pas prêts là. Attends, je vais aller me prendre un truc à graille là. Allez, c'est bon. Là c'est la fin. Je sais pas comment ça. En vrai je sais pas si la fin est longue en vrai. Donc j'espère qu'on est bon jusqu'à minuit 30 en vrai je pense. Par ici microbe, lève les yeux. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi verdâtre. Mais en vrai Flores oui quand même. Ou alors plus d'attention, je sais pas. Ah mais ok. Qu'est-ce que tu dis, microbe? J'entends rien à cause du vent. La petite dame nous remercie d'avoir pris en stop, Stan. Oh, la petite dame, oh. Mitch, c'est pas ta faute. C'est pas faute de bonne volonté, mais je t'entends non pas non plus à cause du vent. Je vois tes lèvres s'agiter et je devine bien que t'essayes de causer. Mais je suis obligé de te dire que j'entends que chi. C'est à cause du vent. Ouais, je sais très bien. Stan. Now you know I have issues with the lower lumbar. Non mais j'ai pas volé hein. Je les ai pas volés, c'est faux. Je les ai pas volés, vous avez vu, je les ai pas volés. Totalement faux. Gaffe, une boule de poil. Quoi? Moi, je peux pas voler les sous là un peu. Je devais caisonner plus pour les dissuader de s'aventurer sous mes roues. Comme ça. C'est des loubers. Dans le sac? Aucune idée! Mais certainement pas des biftons volés! Aucune chance! On a réussi, Mitch! On a touché le gros lot! La société Petriane de crédit! Ça nous va droit au cœur, microbe! Hey, mon petit, t'as déjà entendu parler de Stan et Mitch, pas vrai? Non. La bonne réponse est oui! Alors oui, j'étais sur Michel. Oh, les trous du cul. Oh, il me fume. Déjà, oh, ça me fume. T'as envie de causer, toi? Ouais, c'est terrible, un truc pareil. On l'aurait sauvé, ce môme, si on y était. Pour sûr. Et toi, microbe, ça te fait quoi? J'ai envie de partir en même temps, hein. C'est vrai qu'un peu de changement pourrait pas faire de mal. Oh, let's go, le gratte-gratte. Ah non, c'est pas un gratte-gratte. Je pensais que c'était un gratte-gratte.
Il y a plus solide que ce sidecar. Tellement solide qu'une fois il s'est décroché en plein milieu. Ah. Oh mais oh oui. Oh mais j'aimerais trop qu'il se décroche, comme ça je vole tous les bifetons en fait. S'il vous plaît. Ah. Mon dieu Stan, les flics. Si ce défouraille, on l'a dans le baba. Essaye de les hantir, microbes. Ah, je comprends pas. Attendez, merci beaucoup Raete, merci beaucoup pour le follow. Attendez, je suis en pleine course poursuite là. C'est compliqué. Je... Non, non, non. Mais Ah mais faut... Ok, ok, je suis un peu con moi. Faut que je vise un peu plus haut en vrai. Il faut pas que je vise la route quoi. Non mais je suis pas très chaud de base. Mais je sais pas si ça a marché, je comprends pas. Mais c'est dur en vrai. Frère, ils ont des flics. Non mais ils ont des billets sur le pare-brise, frère. Comment ça marche? Bon, j'ai... Oh les vendus. Oh la peau de vin. En vrai on les a achetés au final hein. On leur a balancé des sous sur la tête et ils étaient... Oui ok Exactement, tu deviens un magnifique caillou. Mais pas n'importe quel caillou hein. Vous devenez des petits cailloux, tu sais, en mode avec des petites pierres précieuses. Un peu carré. T'es genre en mode de valeur 50 000 balles. Voilà. C'est pour flex un peu. Hein. Oh, le gratte-gratte. Gagné, et j'ai gagné 1$. Bon, c'est mauvais. Hein. Je pourrais avoir un peu plus de chance quand même, peut-être. Par le pouvoir de la corruption. Par le pouvoir des billets. Mais c'est ça, c'est vraiment... Tenez les petits billets, c'est en mode... Oh oui, j'adore les billets. c'était ça quoi. Putain pff. Le môme a raison. J'ai en effet dit ça dans un moment de panique. J'espère que tu sauras me pardonner. Je sais pas pour si je pourrais. Laisse-moi réfléchir. Allez d'accord, c'est bon, t'es pardonné. Tu me vois rassuré. Merci pour le coup de pouce en tout cas. On va te déposer un peu plus loin ouais. Ouais, je comprends, c'est pas tout repos la route avec Stan et Mitch. Pas tout repos du tout. Ok, très bien. Stan et Mitch. Eh putain, moi je... À mon rêve, hein. Stan et Mitch. J'avoue, en vrai, vas-y, ils sont attachants. Ils sont vraiment genre... vraiment teubés. Mais bordel, qu'est-ce qu'ils sont attachants. Ah, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Ah, putain, ouais. Ouais, non, mais ils sont attachants, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais ils sont attachants, hein. Tu sais, c'est les gens, tu te dis, ah putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais vas-y, ils ont... Ils sont attachants, en vrai. Ils ont ce petit truc, tu te dis, waouh. Ça réfléchit pas beaucoup, quoi, mais... Ils gueulent comme des débiles. Oh, leur klaxon, frère. On va tout donner pour custom le klaxon de ma bagnole, s'il vous plaît. Hein. Je veux ça. Ok, bon, là, c'est un peu la sauce, du coup. C'est un peu la sauce, on est un peu dans la... Oh, on retrouve notre gigapote. Let's go, on retrouve Alex. Qui est en train de crafter une centrifugeuse à vapeur. Il est chaud le boug. Hein. Sa tenue en latex, ça m'a séduit. À ça, à qui le dis-tu? Est-ce que je peux... Ok. En vrai, vas-y, on les tag. Vas-y. En vrai, je prends le temps de les taguer, parce que si ça peut... Si ça peut altérer un peu... Je pige pas, j'ai tout essayé. Qu'est-ce qu'il a le bug là? Il peut me laisser rentrer un petit peu? Ok, on fouille la poubelle, dis-moi que c'est pas un truc invarié. S'il te plaît. Ah, y'a rien du tout. Un génial génie. Ok. Ok. Let's start from the beginning. You got this. Moi aussi je veux ça sur le clito logo école. Ah ouais, on a pas les mêmes correcteurs.
Oh putain, pardon. Non, mais tu nous aurais fait bien. Oh mais non, mais t'inquiète, hein, c'est... Ok, on prend au tout début. Allez, tu peux le faire, Ilan. Hein. Même lui, il t'aide. Hein. Il reprend du début. Hein. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je piche pas, j'ai tout essayé. J'arrive, t'inquiète, mon gars. Hein. Je vais venir t'aider. Hein. Attends, est-ce que je peux... Faut croire que je suis juste un génie normal, hein. Et pas un génial génie, bonsoir. Faut me jouer la déprime. Bon, après t'es un peu guess, quoi. Waouh, tu t'es pris pour un ninja ou quoi? Et ouais, mon gars. Ça fait 3 jours que je penche dessus. Mais je n'en sors toujours pas. Mais qu'est-ce que tu fais, mon gars? Ouais, c'est un prototype. Elle peut pas vraiment exploser. Je fais ça pour un mec que je connais. Robert, il s'appelle. T'as 14 ans et t'as un pote qui s'appelle Robert, mon gars? C'est qui ce Robert, là? Juste une connaissance, ouais, bien sûr, bizarre. Je crois qu'il cherche à protéger son organisation. Les Brigades Noires, ça s'appelle. Je sais pas encore, mais je sens qu'il va se passer quelque chose. De balèze! Ouais, je sais pas, on va bien voir. Ah mais je pensais qu'il était chaud avec sa bombe et tout, quoi. J'ai une idée, tu vas être mon canard en plastique. Non mais alors, je veux bien. Non mais là, les allusions entre le canard en plastique, la Clio, frère, c'est bon. Ce stream, il a pris une tournure. Ça y est, ils ont vu qu'il était 20... Ils ont vu que sur l'heure du jeu, il était 23h56. Allez, c'est bon. Ici, ça ouais, le ici ça baisse de tout à l'heure. C'est bon, c'est trop. Allez, compte sur moi, c'est parti. Putain, non, vraiment, c'est nimp. Il y a trop d'allusions. Si tout se passe bien, le fait d'écrire le problème à haute voix va permettre au programmeur de le résoudre. Quoi. Nickel, bon alors, d'abord j'ai vérifié les résistances avec le voltmètre et tout avait l'air bon. Du coup j'ai vérifié les capteurs, je les ai nettoyés. Bien relou au passage. Mais t'es génial. Hey, regardez comment je fais rire. Salut Stopensky. Coucou à toi. Bonjour, bienvenue. Bienvenue parmi les cailloux, bien sûr. Oh, hey, le son incroyable là. Alors du coup, vous arrivez sur un... Sur au plafond. Ok. Alors, là vous t'arrives vraiment sur un espèce de RP un peu... C'est très bizarre. Mais là du coup, on est sur un RP canard. Et du coup, on essaie de passer la frontière en même temps. Je sais pas si tu connais le jeu, Sobanski. Trevor, je sais qu'il y a que toi qui pourras trouver cette lettre ici. Un membre des brigades normées dans le van. Et j'ai finalement fait ce dont on parlait depuis longtemps. Je crois que les brigades l'ont découvert parce que j'ai commencé à recevoir des menaces d'un certain R. C'est à cause de cette ordure que j'ai dû partir. Je te laisse tout ce que j'ai dans le coffre. Cher président. 12-18. Ok, 12-18. L'affiche du président, elle est où là? Ok. Hop là. Oh là, je canarde tout, j'aime bien là. Oh là, je suis bien là. Là, tu vois, c'est un peu comme hier au FFS PUBG là. Là, je canarde tout le monde là. Et je me sens heureux. Et en plus, avec du bon son là. Putain, mais ça va jusqu'où là, ça? Ok. Et je suis un peu aussi... On fait un peu du house flipper en même temps là. On fait un petit peu du house flipper là. On fait la rénovation de maison là. Le câble conduit par dehors. Suis-le, frangine. Comment ça? Ah, du coup, il faut que je passe dehors. Ok, attends, je vais le follow. En gros, c'est un espèce de jeu à choix, Route 96. Où le but, c'est de passer la frontière avec plusieurs personnages. Parce que c'est un peu le bordel. Oh, on a trouvé le générateur. Du coup, je peux casser avec ça? Oh, let's go, en plus on peut l'ouvrir. Parce que c'est un peu le bordel niveau politique. Ok, on peut pas l'allumer. Repérage. Ok. La clé est là. Et il se fout de ma gueule?
Comment ça, mon gars, là? Eh ben, c'est un malade! Je me suis fait électrocuter, frère, il rigole! N'importe quoi! Ah, plus un aimant. Ok. Essaye avec cet aimant. Attends, il faut que je la fasse passer où? Ah, ok, c'est. Ok! Ah, c'est Docteur Maboul! Ah, ouais, la Claude François Vibes, là. J'ai rejoint tonton Johnny, là. Et tu joues un petit peu Sobanski ou pas? Est-ce que ça se lave ou pas? Parce qu'ici on est des vrais gamers. Hein. Je jouais à PUBG hier soir. Attention. Ah putain, mais c'est chaud. Alors, la vraie question, vous pensez qu'il faut que j'amène ça où là? Ok. Docteur Maboul, je vais essayer de retrouver la pub, mais j'ai plus. Et regardez comment je suis précis là. Et regardez comment je suis précis là. Hop là, masterclass. Soumis, il fallait pas que j'amène du tout ici. Hein. Prendre. Let's go. La clé du générateur. Et on allume le générateur, let's go. On a le courant. On a le courant. Et ça joue à quoi de beau du coup? Pas encore pris de douche depuis 2023, ouais pareil. Ouais, moi je suis sur une chaîne strict de 27 jours du coup. On est bien en vrai là. Ça commence à gratter mais au calme hein, bien sûr. Ouais, je passerai le bonjour à Dada bien sûr, Daniel. Toutes les lumières sont allumées. Tu vois, typiquement, c'est pour ça qu'il faut aller Tarak et pas cette sale hypocrite de Flores. Pour s'assurer que ce genre de tragédie ne se reproduise plus. C'est dit de leur faire une petite frayeur à ces tirakiens. Le cap passe juste en dessous de leur voiture. Si je mets le jus, la voiture prend aussi. Oh oui, 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 mais go. Ouais, on dirait que c'est fermé. Je me suis pris une jute en touchant la caisse. C'est une blague encore. Non, vas-y, essaye. Oh putain, let's go. Oh, je suis un putain de psychopathe là. Let's go. J'adore. Ouais, mais c'est pour ça, ouais, Sobanski, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais, j'étais sur Live Destia, ouais. Puis elle a vanté mon éloge sur PUBG. Je ne pouvais que rougir. Minecraft, Fortnite et d'autres trucs sur Play. Ok, propre. En vrai, nous ici, on joue un petit peu à tout, en vrai. Y a pas de... J'avoue qu'on joue pas mal à des trucs sur Switch, du Nintendo, mais c'est vrai que là, on a fait Detroit Become Human, on a fait Route 96, en gros, on touche un petit peu à tout. J'avoue, je suis pas fermé. Et en vrai, Minecraft, un jour, je me ferai une petite survie modée, je pense. Ça me manque, là. Ça me manque, Minecraft, en vrai. La petite addiction que j'avais quand j'étais gosse, hein. Enfin, gosse. J'étais au collège, lycée, hein. Minecraft, c'était bien... C'était une bonne partie de ma vie, hein. Mais du coup, il est parti, Alex. Alex, il m'a laissé. Attends, je peux essayer d'aller voir ce qui est, du coup l'espèce de machine. Alors, attendez. Parce que là, du coup, il faut que je retrouve. C'était 12-18. Derrière le tableau de... Ah putain, il a pris la bombe. Oh le bâtard. Regarde, arraché, il y a un coffre. Je peux pirater ou pas? Non, vas-y, on le pirate pas. 12-18. Prendre les clés. Ok. Prendre l'argent. Ok. Et prendre la cassette. Bah let's go. C'est pas mal tout ça là. On s'est fait un peu de sous. On va aller prendre la bagnole et on part. On part direct, ok. On a pris la vago. Tu finis à quelle heure? En vrai, dès que ça finit, donc je pense d'ici peut-être max une demi-heure, je pense. Je pense dans une demi-heure c'est fini. Hein. Mais je pouvais pas le prendre. Mais j'aurais aimé là. T'arrives, bim, tu vois. T'es genre en mode, t'es petit geyser et tout là. Et merci Alma. Oh putain, je suis une honte. Je suis un streamer horrible. Alma, merci pour ton follow. Non, merci beaucoup Alma, merci. C'est gentil. J'avais pas vu, excuse-moi. J'étais concentré sur mon House Flipper 1, essayer de tabasser la maison et faire n'importe quoi là. Bah Estia, je sais. Je vais lui faire confiance. Ah mais écoute, c'est gentil. En vrai, c'est vrai que ça me touche beaucoup, c'est... C'est gentil, surtout en vrai en ce moment, Twitch c'est une belle dinguerie ce qui se passe. Donc ça fait archi plaisir. Et puis si je peux trouver de plus en plus de personnes qui aiment bien le concept du bah y a pas trop de concept, moi c'est avec plaisir.
Moi franchement ici il se passe en vrai il se passe tout et rien. C'est comme si je devais dire définissez le stream en un mot. Et bah y a pas vraiment quoi. Oh échec, bon c'est pas grave. Allez on se met un truc plus chill. Conduire, planquer la voiture. Non je veux conduire moi. J'ai envie de conduire là. J'ai envie de conduire tranquillou là. Non on n'est pas des alcooliques, on est on s'hydrate. Voilà. Cuphead, ouais Cuphead. On se tape la tête sur Cuphead. Du coup on reprendra la semaine prochaine. Si on finit Road 96 ce soir, jeudi on fera du Cuphead sûrement je pense. Tranquillou. Ça marche à toute précise. Mais oui petit champagne après les décharges. Bim. Moi j'aurais vu le truc un peu sympa tu vois. Histoire de faire péter le truc en mode on fait ça, c'est la victoire. Mais non, malheureusement. Mais ouais, un concept qui a pas de concept. Si on est les cailloux, c'est tout ce que je peux dire en vrai. On est les cailloux et tu verras qu'on n'est pas des gens chelous. C'est ce que dit l'alerte de Red. Ah si, faut que je mange un peu là. Tous ces politiciens, ils sont comme nous meuf. Ils sont pas comme nous meuf. C'est une histoire de classe sociale. On est juste des fourmis pour eux. Bah t'as plutôt raison ouais. Ouais t'as plutôt raison, allez on fouille les poubelles. Donne-moi un truc un peu pas périmé s'il te plaît. Oh putain ça va, mais c'est bien on se fait rembourser en vrai. C'est cool, c'est cool. On se fait rembourser en vrai. On se fait bien rembourser là. Là on récupère la moula. Hop là on fouille, bien sûr on fouille les poubelles. Pour essayer de trouver un peu de bouffe. Tu roules même pas en Clio, non c'est honteux. C'est cool en vrai. Attends, hop. Ok, on va repasser par là-bas. Vous aurez une petite pièce ? T'es l'un d'entre eux, hein. Désolé gamin, mais j'ai rien. Ouais, espèce de radine. Tu m'as même pas donné un... Ça te dégoûte. Hop là, hop. Pardon. Non, moi taguer ? Moi être un délinquant ? Je suis pas un délinquant, ok ? Oh putain, le bar de fou, là. Oh, la barre de fou, ça. Ça se met des murges là-dedans, hein, c'est sûr. Et alors, Joe, il est où ce verre? Tu peux pas attendre une seconde? Voilà, Joe, t'as l'air tendu. Sans blague, j'embauche un barman, il s'ébrouille pour me planter dès le premier jour. T'as peut-être envie de le remplacer? Non, attends, je me fous de ton âge. Tu peux bien sortir des jupons de ta mère. Tu veux pas te faire un peu d'argent de poche? Impeccable. Vous avez vu ça? On a trouvé une nouvelle barmaid. Elle pourra pas être pire que toi. Papa. Oui, alors on est des cailloux qui roulent et nous n'amassons pas mousse. Bien sûr. Et ah oui, by the way, je m'appelle Unknown Rock parce que je m'appelle Pierre IRL, voilà. Si vous pensez avoir un humour de merde, pensez à moi. Bonjour, c'est pas pointé non plus. Un verre de Général Goulot. Mais oh! Toi je. I'll have a TLR. Quoi? Comment ça un TLR? Ah! Ouais, mais aussi je suis fait chier le monde là! Ouais, mais oh! Oh là là! Oh! Oh, je vais les fumer! Tu veux quoi, toi? Une amère patrie. Oh, y en a qui vont prendre taif. Je vous le dis. Et moi, je supporte pas. Moi, on me parle mal comme ça. On me parle mal comme ça, vous allez voir. Moi, je vais vous balayer, là. Mais je t'ai donné quoi, espèce de ch... T'as houblon du bled, là. Mais c'est pas possible de finir les verres aussi vite, vous les QCK ou c'est comment là? Un shot de brûle-gueule. Oh! Attendez, mais là c'est compliqué là, brûle-gueule, ouais, je vais te brûler la gueule, tu vas voir mon gars là. Mais c'est pas possible, mais vous avez vu comment ils font? Ils boivent vite! Un shot de houblon du bled. Oh tu. Mais c'est pas possible, vous êtes. Mais ça s'arrête plus! Mais. Oh!
Mais Non mais frère, mais laissez-moi tranquille. J'en ai marre, mais... Comme d'habitude, un Jarod. C'est sur le mur. Qui est quoi lui là? Il sniffe sa plaque ou c'est comment là? Un Jarod. Pas vu lui hein. Et là ils sont tous calmés bizarrement. Comment ça sur le mur? Le Jarod. Un tiers de Brûle-Gueule. Un tiers de Nul du pays. Ok, Brûle-Gueule. Attendez. Amère patrie. Attends, mais y'a pas un verre ou quoi? Merde, comment je fais? Ah, ok, ajouter un ingrédient au shaker. Ok. Il me faut du Brûle-Gueule. Et de l'agneau du pays. Et on est bon? Ok, un tiers de l'agneau du pays, elle est où? Putain, il m'a fait peur, hein. Et tout de suite, la pression, bizarrement, tout le monde a fermé sa gueule, hein. Bizarrement, tout le monde a fermé sa gueule, hein. Ils sont venus passer une seule journée. Ah, ça? Alors, regardez, hop là. Et petit... J'attends mon candy, hop. Oh, j'avais envie de... Vraiment, quand ils ont tous commencé à beugler tel des animaux, j'avais envie de péter mon crâne, hein. Oh, putain. Est-ce qu'il est bon? Et comment il boit son verre? Amusant. Mon barman a l'air d'un môme. Allez, tiens. Tu l'as bien mérité. Serment un autre. Bah non mais toujours plus. Non mais ça, mais oui mais non mais c'était que des alcooliques, c'était une brochette. Oh, mais lui directement dans le gosio. Seulement c'était possible putain. Ok c'est bon, c'est fini là. Ah mais c'est pas mal. Ah il rompiche là un peu. Alors comme ça vous... Oula. Tu as entendu comme moi. La commémoration des 10 ans de l'attentat approche. Il fait quoi lui là? Ma fille faisait partie des victimes, elle est morte écrasée sous ces rochers. Parfois la vie ne fait pas de cadeaux, pas vrai? J'ai fini ma vaisselle, petite. Quelle bande de porcs, je te jure. Merci pour le coup de main, en tout cas. Tiens, mange ça. C'est la maison qui régale. Ah, Jarod, je t'avais pas vu. Bon, il se fait tard. Allez, hop. Et je me casse. Non mais ouais, mais c'est des malades mentaux, frère. C'est des fous furieux. Bon, est-ce qu'on se prend un petit... Allez, on achète un ticket, ok? On achète le bon étoile. Quoi? Je pars pas tant que j'ai... Tant que j'ai pas gagné, hein. Oui! J'ai gagné 20 dollars, oui! Let's go! C'est bon, on a géré. Non, mais tranquille. Allez, comme ça. Oh! Ah oui, la carte! La carte de crédit! Oh, ça, c'est cool ça. Parce que là, du coup, on va pouvoir lui voler absolument tout! Un rocher. Comme par hasard! Non, mais tu sais que le jeu a été vraiment fait pour moi. Hein. Je le pense très fort, mais le jeu a été fait pour moi. Hein. Il y a trop de messages un peu partout cachés, quoi. Au revoir! Ah non. Merde. Non mais je me suis trompé. Hé hey, petite, sois prudente sur la route, évite les taxis. Mais non, on a Happy Taxi avec nous. Mais non, on a Happy Taxi avec nous. Il est là, il nous sauve la mise, vous inquiétez pas. Distributeur. Voilà, hé, hey, 60 dollars, c'est parti. Gobus.
Vas-y, le bus c'est pas mal, ouais. La CB là, bim bim bim. Et tout, les, et tout le pognon là. Et tout le pognon, on est bien. Non, on est bien, on est bien, on est bien. Mais là, je suis ish. Bah, après, j'avoue que j'aurais pu peut-être gagner un peu plus au loto, mais au calme. Allez, là, on va pouvoir avancer là. Là, on va pouvoir bien, bien, bien avancer. Et on arrive à. Ah, on arrive à la frontière. On va arriver à la frontière en vrai. Hein. Là, à la suite de l'épisode dans le bus, on va arriver à la frontière. Et c'est la fin après. Déjà ? Putain, il est tellement incroyable. Ah oui, mais c'est vraiment le nom des taxis. C'est Happy Taxi. C'est pour ça qu'on a notre belle étoile qui est dans le chat. Ça ne peut que bien se passer. Unité 1-2 à centrale, à vous. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Wouah ! Pourquoi il y a du sang de partout ? Oh ! Pourquoi il y a du sang partout ? Qu'est-ce que tu regardes, gueule d'ange? Merde. J'aurais peut-être pas dû aller là-dedans. Coucou Foxstyle. Alors, est-ce que j'avais les clés de la voiture? Très bonne question. Est-ce que peut-être? Est-ce que j'ai vu la voiture? Je ne crois pas, et c'est pour ça. Et j'avoue que j'ai un peu foncé tête baissée. Je ne suis pas vraiment d'humeur à discuter, mais allez-y. Oui, et si tu veux mon avis, ça n'aurait jamais dû se produire. J'ai une petite idée de qui est ta candidate favorite. Unité 2 à centrale, à vous. Unité 2 à centrale, à vous. Hé. Hey, tu dois m'aider. Elle m'emmène dans la fosse. S'il te plaît. Te mêle pas de ça. Ok. En tout cas, coucou Foxstyle, bienvenue à toi. Mais ouais, j'ai peut-être pas vu qu'il y avait une voiture, il y a peut-être moyen. Parce que j'ai vu le... Ah putain, mais ouais. C'était peut-être juste derrière le car. Ah, oh, je suis con, tant pis. Qu'est-ce que j'ai dit? Mêle-toi de tes oignons. Ils vont m'emmener miner dans le fond de la fosse. Je pourrai plus jamais revoir mes parents. Bien sûr qu'il reverra ses parents. Je vois même pas pourquoi on discute. Les avis de recherche des absous disparus. C'est juste de l'intox des brigades. Vous y croyez pas vraiment, si? À quoi? Au fait que les camps de travail pour ados n'existent pas? Madame, je suis pas là pour débattre. C'est juste de faire mon boulot. Putain, mais faut pas que je augmente la... Vous allez défendre la police après ce qu'ils ont fait aux ados? Oh putain, sa mère! Monsieur, faites le sale boulot de Tyrak et vous ne vous en rendez même pas compte. Arrête de la défendre toi aussi. Monsieur, laissez cette mob tranquille. Écoutez, je les connais aussi ces histoires. Mais ce sont des mensonges, la propagande. Oh, regardez, une jeune pro Tyrak à l'arrière. Mais non, mais j'ai dit... C'est de la pro- j'ai dit que c'était de la propagande. Ah mais non, mais putain, je pensais pas à ça. Mais je pensais pas du tout à ça, j'aurais dû répondre d'autre, je suis con. My bad. Ça suffit monsieur, maintenant s'il vous plaît. Retournez-vous tous les deux. Tu commences à me fatiguer, gueule d'ange, tu le sais ça. Vous avez raison. Quel pouvoir avez-vous au fond? Unité 2 à centrale, à vous. Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Ouais, on essaie un peu de mettre un peu plus de conflit là. On essaye, on essaye. Vous savez quoi, les citoyens devraient pouvoir arrêter les flics, histoire de les garder sur le droit chemin. On aura tout entendu. On pourrait pas faire comme si vous m'avez jamais arrêté? Silence à l'arrière. C'est une mauvaise idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au courant de l'arrestation? Non mais... Vous allez tous vous calmer? S'il vous plaît, madame l'agent, vous n'avez qu'à descendre au prochain arrêt. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas la répéter. Unité 2 à centrale, à vous. Unité 2 à centrale. Arrêtez de tout me dire tout ce que je dois faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous m'avez réveillé. Bon, ok, je vais peut-être éviter. Ok, bon, on va... Ouais, on va... Ah,
Vous avez dépassé les bornes. Est-ce que tout va bien? C'est la merde. Roger, Roger, c'est la merde. Écoutez votre cœur. Vous pouvez encore le sauver. Ne leur parlez pas du gamin. Unité 2, vous êtes là? C'est le Pyram. Bonsoir à toi, comment vas-tu? T'as déjà fait le jeu? C'est une masterclass, coucou Mariana aussi. J'espère que ça va. Je suis prendre le bus, à vous. Ça va. Mais en vrai, on a augmenté la tension, mais ça va en vrai. Hein. Oh non, elle chiale! Unité 2, je vais avoir besoin d'une voiture. Putain, mais elle a... Wouh! Mais si, je vous ai dit, Fanny, c'est quand même le sang en vrai. Hein. Bon, juste, elle a un peu paniqué, je pense, en ce moment, elle sait pas comment réagir. Mais une masterclass, le jeu Pyram. T'inquiète pas, tout va s'arranger. Vas-y, on reste un peu encore dans le bus. Si on peut se reposer un petit peu en même temps aussi. Mais ouais, elle fait de la peine. Moi, je l'aime bien, Fanny, en vrai. Entre l'histoire avec Alex, tu sais, ce conflit un peu... Eh, on peut pas lui en vouloir. Ok, bon bah du coup, ça va être la fin. Ça va être la fin de ce jeu. Hein. Putain. J'ai hâte, en même temps, j'ai pas hâte. Putain, on arrive à la bordure, les amis. On arrive à la bordure. Ouais, bien remis d'hier. En vrai, c'est que les émotions étaient assez huge. Hein. Pour le FFS PUBG d'hier, les émotions étaient assez huge, hein. J'avoue. Mais c'était cool. J'ai dormi 9h et après, ça allait mieux. J'aurais ce petit vide. Ah, je pense aussi. Ah, si ça chiale, peut-être. C'est possible, c'est possible. Je sais pas, en vrai, je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre pour l'instant. Non, c'est pas fini tout de suite non plus. Il y a encore un petit peu de temps, hein, c'est... Et coucou Diode, enfin rue. Je reviens pour la fin, let's go. Let's go, tu verras tout ça. La fun, tiens, ouais, est-ce que là du coup on a fait du coup 5 passages, c'est le 6ème. Ouais, je laisse, oh, je sais pas, j'ai envie de laisser ça. Bah ouais, louche de faux. S'il y a quelqu'un qui a shooté dans mes cailloux, je vais le retrouver, je vais le fumer, ok? C'est bon pour vous? La personne qui a shooté dans mes cailloux, je la retrouve, je la fume, je la balaye. Frère, c'est trop! Coucou Monsieur Toon, comment ça va? Bonsoir! Bonsoir, bonsoir. J'ai envie de pleurer, là. J'ai envie de pleurer. Mais... C'est qui a shooté dans vous, là? J'avais fait une pile de 6 cailloux. C'est qui que je vais aller fumer là? Vous êtes en état d'arrestation! Les mains derrière la tête! Mais comment tu veux que je fasse? Mais j'avais rien, je pouvais rien faire là. Ok, bon bah... Oh les mains. Vas-y, j'avais pas le choix. Pas du tout. Putain. Oh putain. Et tu l'as fait il y a longtemps toi, Pyram, le jeu? Ah putain, on est dans la... Oh, on est dans la prison. En garde à vue, près de la frontière. C'est parce qu'ils t'ont tabassé. Ça va finir par passer. Un mec a appelé les flics à une station service. On était deux. Ah mais c'est le... Oh, oh, l'autre bug. Ils ont embarqué l'autre aussi, mais dans une autre voiture. On sort pas. On attend qu'ils nous transfèrent à la fosse. Ça devrait être pour bientôt. Oh putain. Ah oui, il y a 2 ans. Il y a un bout de temps. J'avoue que ouais, moi je suis passé un peu en dessous des radars et là on m'a dit vas-y, vas-y. Et j'ai foncé dedans et je suis très content. Retirez vos sales pattes.
Ton copain a été choisi pour un nouveau traitement. On va le transformer en adolescent modèle. Non mais pourquoi je me suis reposé? Non. Ah, j'aurais peut-être pas dû me reposer maintenant quoi. J'aurais peut-être pas dû me reposer maintenant. Tu as déjà fait Monsieur Toon toi ou pas Route 96? J'aurais peut-être pas du dodo quoi. Peut-être pas... J'aurais peut-être dû essayer de me battre. Debout. On transfère à la fosse, allez lève-toi. T'es dans les manifestations. Ces jours d'élection et des ordures comme toi cherchent à mettre le bordel. Faut partir, allez. Allez, monte dans ce camion. Putain, mais elle va pas me voir. Mais Fanny, tu sais qui je suis. Silence derrière. Ils l'ont grillé, meuf. Je sais pas s'il peut encore parler. Je fais quoi, là? J'ai rien à faire là. Attendez, parce que j'ai rien à faire là. J'ai rien du tout. Faut que j'attende. Oh putain. Ok. Mais je peux pas sortir là. On se connaît? Je sais pas, mais peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Max, qu'est-ce qui se passe? Max! Oui, c'est vraiment bientôt la fin, ouais. Ouais, on l'a bien foncé ce soir. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils savent qu'on est là-dedans, hein. Arrêtez! Virez vos sales pattes, stop! C'était quoi ça? Un fourgon pénitentiaire vient d'être renversé. Allez, sortez-les de là! Au mur, tout le monde! Père aussi. Alex, c'est ici? Où est-ce qu'il est? Au mur! Viens avec moi, petite, on va retrouver quelqu'un! Ok. D'accord, ça a totalement changé d'ambiance. Oh, c'est. C'est grosse main là! C'est grosse main, ouais! Je rappelle qu'on l'a fumé au foot, hein. Oh, c'est Alex! Qu'est-ce que tu fiches ici? John, c'est pas ce que tu crois. Robert a trouvé quelqu'un d'autre pour fabriquer la bombe. Avec mes plans. C'est de la désamorcer, ça marche pas. Robert a dû changer le code. C'est un vrai trou du cul. Et tu as un code que tu pouvais pas connaître. J'ai une idée, essaye 6-6-82. Mais comment ça? Mais comment tu savais? C'était le code de la première bombe. Ton anniversaire. La première bombe? Mon anniversaire? Quoi? Tes parents, Alex. Naomi et Stephen. C'est eux qui l'ont fabriqué. Et pour le code, ils ont utilisé le plus beau jour de leur vie. On comptait s'en servir. Mais il y a eu un contretemps de dernière minute. C'est pour ça qu'avec Connie, on a chargé Tyrak en pick-up. On avait bossé trop dur pour repartir les mains vides. Mais on s'est manqué. Et Tyrak a fait sauter les explosifs au du pic. Et mes parents ont été tués. Oui, et Connie. Et tellement d'autres. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je pensais que ça te radicaliserait. T'encouragerais à fabriquer la bombe. Et je voulais pas que tu me détestes. Te détester? Si j'avais réussi à tuer Tyrak, tes parents seraient encore vivants. Ils ont fait leur choix, Monsieur U. Ils se sont mis d'eux-mêmes dans cette situation. C'est pas de ta faute. C'est gentil, gamin. Allez, maintenant faut que... Plus un geste. Les mains en l'air et retournez-vous doucement. C'est vous, l'homme à l'émetteur. Les mains en l'air, j'ai dit. Alex? Ta mère est flic? Écarte-toi, Alex. Cette voix? Non. Papa ours?
C'est pas possible. Vous vous connaissez ? Ouais. Faut croire que je discutais sur la CB avec celui-là, même que je recherchais. Et moi, qu'est-ce que je dois dire ? La femme que j'aime est une fliquette. Que tu aimes ? Ouais. Que j'aime. Ne me fais pas rire. Écoute, je suis désolé de t'avoir laissé en plan. J'ai paniqué. Tu crois que j'en ai encore quelque chose à faire ? Ma mère et Monsieur Ursus avaient rencard ? Je crois que ma tête va exploser. Alex, je t'ai dit de t'écarter. Écoute ta mère. Du coup, comment vous connaissez en fait ? Je travaillais pour les brigades en échange d'infos sur mes parents biologiques. John les a connus. Ouais, c'est ça. C'est la vérité. Ma petite amie et moi étions proches des parents d'Alex. Elle est morte en 86. Je voulais juste protéger Alex, faut me croire. C'est la vérité, maman. John s'est servi, jamais servi de moi. Il essaye de me protéger. Écoute, j'ai déconné. J'ai pris part à quelque chose qui a mal tourné. Je regrette mes choix chaque jour qui passe. Mais j'ai changé. Je veux vivre avec toi. Je suis une flic et tu es un criminel recherché. Pardon, mais j'ai du mal à voir comment ça pourrait marcher. Regarde maman autour de toi, tout est en train de changer. Laisse-lui une autre chance. Il s'est planté. Mais on en fait tous des erreurs. Même toi. Moi ? Allez maman, franchement, tu sais très bien ce que Tairak fait aux ados. Oui, je sais. Tu veux vraiment continuer à bosser pour un gouvernement qui fait des trucs pareils ? Non. Ça fait un moment que je n'aime plus mon travail. Mais je l'ai quand même. Et je l'ai fait quand même pour toi. Et on... Plus besoin de le faire, maman. Maintenant, baisse ton arme, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle veut le faire ? On pourrait passer la frontière. Rien ne nous retient ici. On pourrait partir ensemble. Maman, t'en penses quoi ? Tu peux venir avec nous si tu veux. Des soutiens. Des soutiens venus de l'autre côté du mur et se sont alliés aux brigades contre les gardes frontaliers. Est-ce que ça y est ? Est-ce que c'est vraiment la révolution ? C'est dur! Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on rejoint la lutte? Est-ce qu'on s'échappe? J'ai envie de m'échapper! Oh, c'est dur! Ah, le choix est dur. Ben, en fait, ça, c'est le choix du, de l'égoïsme. Ça, c'est le choix du. Bah, j'ai envie d'aider tout le monde, hein. Mais en même temps, tu vois, imagine ça se passe mal. Imagine, ils sont tous cassés la gueule et eux, ils meurent. Je vivrais trop mal. C'est dur. C'est très dur. En vrai, j'ai envie de rejoindre la lutte. Parce qu'en vrai, je me dis s'échapper, ça va être une fin tranquille. Vas-y. En vrai, je me dis, vas-y, s'échapper, ce serait peut-être plus simple. Et vas-y, on peut essayer de faire tout changer quand même. S'il n'y a pas que, il n'y a pas que eux, quoi. Il y a Stan et Mitch, quand même. C'est pour ça, quoi. Je peux pas les abandonner, Stan et Mitch. Ils ont trop donné. Ils m'ont trop fait rigoler, là, ces gros cons. Faut partir, monsieur le président. Arrête, gamin! Putain, il a une paire de balles, ça, le... Feu à volonté.
Mais monsieur, allez-y. Le mouvement entamé ce jour-là s'est propagé à travers Petria, assurant des élections justes et démocratiques. Flores l'a emporté haut la main et a promis de révoquer les lois liberticides de Tyrak. Tyrak a été arrêté et jugé pour ses crimes. La fosse de fer a été fermée, et même le mur est tombé. Il est encore trop tôt pour savoir de quoi le futur de mon pays sera fait. Mais, pour la première fois depuis des années, il y a de l'espoir. Et c'est déjà un très bon début. Bah du coup, en vrai, c'est pas mal. Overall, c'est pas mal. Bon, en vrai, le problème, c'est que du coup, il y a des gens qui ont été sacrifiés. Il y a peut-être 5 pélos qui ont été sacrifiés. Mais derrière, ça a permis que, du coup, le bug soit arrêté, que les autres passent au pouvoir et que, du coup, ils abolissent tout et que ça aille mieux. C'est horrible, mais vas-y. Et du coup, Zoé, elle va bien. Du coup, elle est pas morte, en fait, Zoé. Ah, franchement, je suis un peu sur le cul là. Je suis sur le cul là, les potes là. Jarod. Putain, ça me fume. Mais Zéro est pas à la hauteur. Vous me conseillez de rester sur ça? J'avoue que j'ai pas... Mais Zéro, là, tu vois, je vois pas... Je vois pas à quoi servirait un DLC. Honnêtement. Ouais, moi en vrai, au revoir grosse main. Je pense qu'en vrai je vais rester sur ça, hein. Non, on va pas chialer, ça va, ça va. Mais en vrai c'est émouvant, parce que... Ouais, c'est comme tu dis, Fubuki, vraiment une BO de fou, la DA de fou, l'histoire de fou, des personnages de fou. En fait, tu passes par plein d'émotions. Je trouve que tu passes par du O, du A, du vénère, enfin... En vrai, c'est un bon jeu, je trouve, parce que justement, ouais, tu passes par toutes ces émotions-là. Tu vois, t'as de l'étonnement, de la colère, de la tristesse, de la joie. Et en vrai, c'est ça qui est fou, en fait. Ah ouais, c'est hyper attachant. De fou, de fou. C'est un préquel, mais il est pas dingue. Ok, ok. C'est préquel, ok. Putain, non, c'était... Et nouvelle partie après. Ah, du coup, il y avait. Alors. Ah, Omen Vitality, ok. Vous avez davantage d'énergie. Ok, d'accord. Du coup, j'avais tout débloqué, ouais. Ok. Ok, bon, bah. C'est. T'as un peu. Ouais, je pense que t'as un peu de rejouabilité. Bah, si tu veux, peut-être 100% ou quoi. Honnêtement, il y a un peu de rejouabilité, honnêtement. Je pense.
Non, c'était quoi déjà? C'est assez incroyable quand même. Hein. Non, je suis obligé. Je suis obligé de garder ça là. Genre, t'as pas 100% les personnes, donc t'as pas vu toutes les scènes, ouais. C'est pour ça en vrai. J'aime trop ce son, c'est un peu fort, mais. J'aime trop. Vraiment, même là. Waouh! Mais ouais, j'ai envie d'être au coin du feu là, en 1987. J'avoue que ça donne envie d'être en mode de chill et tout, beau paysage. Je ne sais pas toujours quoi en penser de Sonia perso. Mais en fait, Sonia, je pense qu'au fond, c'est pas une mauvaise personne. C'est juste toujours une question d'argent en fait. C'est vraiment ça qui me fait penser que je pense que c'est pas une mauvaise personne. C'est qu'au fond, tu la vois pleurer, tu sais, au fond, elle est triste, elle dit. Et je pense qu'en vrai, vu que c'était pas devant les caméras, elle dit qu'elle est triste et qu'elle aurait préféré mourir à la place de la petite fille. Donc je pense que c'est pas une mauvaise personne au fond. Je pense que c'est juste une personne qui a été un peu aveuglée par les sous et on a bafoué un peu ses principes pour justement ne pas avoir de problème et avoir des sous, je pense. Je pense qu'au fond, c'est pas une mauvaise personne. Juste, ouais, elle est détestable dans le jeu, quoi, mais... C'est... Waouh. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Franchement, j'ai kiffé. Sachez-le, j'ai kiffé. Je pouvais pas le comparer genre à Détroit, mais ce jeu était vraiment exceptionnel. Franchement, ouais, il était vlablin. Ouais, je valide. Je valide. Je valide. Je valide beaucoup. Mais non, mais Bond, ouais. Alors Bond, s'il y a aussi un truc sur lequel j'ai beaucoup kiffé le jeu, c'est sur les morales. Si on fait attention aux morales, le jeu, il en est plein de partout. Et vraiment, je pense que c'est important de les écouter en vrai. Parce qu'il y a vraiment des morales à droite, à gauche. Et je trouve ça trop intéressant en vrai. J'ai l'impression d'avoir regardé une série. Ben ouais, c'est un peu ce genre de jeu, ouais. Genre même Détroit, tu vois, c'est un peu le même délire. Le plus, c'est le danger fait moins de victimes que la peur. Ouais, en soi, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ce son est masterclass.